Dylan. Sale petit enfant de putain. Salut, bienvenue sur la chaîne de Sly Guy. T'es ramolli ? J'ai peur de t'esquinter le poignet. Ok, ça va. Allez, on n'attend pas parce qu'après il se fait tard, c'est l'heure du clash de la drague, il est 22h33. Alors, attention à l'assaut des familles ce soir. C'est parti mon kiki. Ouais. À l'assaut des familles avec deux méthodes. Cédric arrive avec ses traditionnels sextoys. C'est ça. T'as quoi comme sextoy, Cédric? Bah j'ai des gosses. Fais-nous rêver. Le fameux canard. Le canard coin coin. Ouais. Est-ce que tu voudras le bruitage? Ouais, c'est celui-là, ouais. On va faire le bruitage du canard coin coin pour Cédric. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Bon, c'est tout, ça suffira. Ou si on a un petit truc qui vibre. Oh, il est dans mon cul, ça chatouille. Ça chatouille. Oh là, ça c'est mon god trompe. J'adore, c'est mon préféré. Je l'ai mis dans mon trou du bal. On n'a pas un truc qui vibre? Un truc qui vibre? Bah, ton téléphone. Ton téléphone. Bah ouais, non, on n'a pas le bruitage. T'avais qu'à préparer ton truc, mec. Et Romano, donc, toi, c'est... Moi, c'est le Thermobit. Ah ouais, le Thermobit. Vous connaissiez pas ce nouvel objet? Un nouvel objet génial, le Thermobit. C'est parti. Eh oui. Alors, attention, direction les familles. Donc, tu veux que je fasse le vibreur? Je vais... Ouais, tiens, ouais. Bon, Romano, c'est bien. C'est solidaire. Tu vas faire bzzz. Et tu me fais signe pour le canard que je me fasse pas engueuler quand je le mette n'importe quand. Hein. T'inquiète. Ouais. Allô? Ouais. On est chez qui? Philippe. Philippe. Bah, va te laver les oreilles. Allô, Philippe, comment ça va? Ça va. Bah, nickel. Dis-moi, je t'appelle là parce que je suis avec ma femme là. Elle m'a ramené plein de nouveaux sextoys. Et j'aurais bien aimé les essayer avec ta femme. Ouais, y'a pas de problème. Tu peux venir à la maison? Ouais. On a un petit canard là qui fait du bruit là. D'accord. T'entends le truc? Ouais. Et puis on a acheté aussi des godes. Fais le bruit du vibreur. Ouais. Bon, c'est le god éléphant, ça, il est super. On peut. Bravo, Romano, tu as bien fait le vibreur. Hein. Ah bah j'ai fait ce que tu m'as demandé. Hein. Alors là, un serrage, mais est-ce que dans le serrage, Romano compte? Parce que. Ah non, bah non, c'est moi qui ai parlé. C'est mon appel. Ouais, mais c'est mon appel. Bravo, Cédric, félicitations. Merci, merci. Et bravo, Romano aussi. J'espère que... Ouais, mais bon, t'aurais pu rentrer un peu plus dans le détail, mais je crois que tu n'as pas eu le temps, malheureusement. Mais ouais, parce que là, t'as invité, mais... Tiens, t'expliques pas tout, quoi. Ah, si, quand même. Ah non, mais fallait rentrer dans les détails, mais t'as pas eu le temps. T'es pas mal comme dragueur, Cédric, mais c'est vrai, t'aurais pu approfondir un peu, mais c'est bien. Ouais, c'est vrai. Tiens, on parlait des métiers tout à l'heure, donc toi, ton métier ce soir, c'est dragueur. Il y a Anonymat qui voudrait être primatologue pour toi, Cédric. Ah, c'est gentil. S'occuper des primates. Ouais, écoute. Mais ça doit être intéressant, hein. Non, mais ça doit être intéressant. Ouais, l'histoire du truc, ouais. Ils sont presque comme nous. Non, bon, mais même, tu voir comment ça fonctionne et tout, comme animal, c'est marrant, quoi. Alors, c'est parti, Romano, à toi. Alors, c'est qui? C'est Jean-Pierre. Oui, allô? Oui, bonsoir, Jean-Pierre. Ouais, bonsoir. Ouais, comment tu vas? C'est qui? Eh ben, c'est Jean-Louis, un copain de ta femme. Comment va-t-elle? C'est quoi ces conneries? Ah bah c'est pas des conneries, tu sais que je l'ai croisé aujourd'hui, dis donc. Elle n'a pas l'air d'avoir la grande forme. Et je me suis... Bon, je peux savoir qui vous êtes là? Bah Jean-Louis, moi. Jean-Louis comment? Un copain, Jean-Louis David. Jean-Louis David, un oui, copain. Un copain, ouais. Voilà. D'accord. Et je l'ai croisé aujourd'hui là en oui, ville. Oui, d'accord, j'en ai pas marre de vos conneries? Bah non mais... Sans emmerder les gens sortis pour des conneries? Ah bah moi je vais venir là, hein. Oh, oui. Tu vas te gronder lui. Ah bah je vais venir. Ouais, attendez un peu, moi que je m'occupe de... Tu vas te gronder. Bon, espèce de con. Ah bah je vais venir, moi je viens dans 5 minutes, hein. Qu'il était fâché. Putain, il est vénère. Ah, pas content, oh, qu'il était pas content, Jean-Pierre. Jean-Pierre était... Jean-Pierre fait un tour là. Il y a deux tours au moins. Au moins. Au moins. Au moins. Ah vas-y, je le prends pas. Bon, on laisse un deuxième tour. Allez, t'as vas-y. Raison, Cédric, à toi. Vas-y, moi, je suis prêt. Essaye de faire comme tout à l'heure, mais en mieux. Ouais, t'inquiète. Eh bien, toi, les bruitages, faut pas trop en faire non plus. Attends, le canard, je l'ai fait quand tu as demandé. Le vibreur c'est bien, aussi. C'est bien, mais... Je peux rien, moi, le vibreur, il vibre longtemps. Hein. Pas choisi de modèle. Ouais, il vibre longtemps. Allez. Bah ouais, mais bon, avec ce qu'on a, Cédric, hein, déjà, si sur le moment je te trouve un vibreur. Allô? Allô? Ouais, bonsoir, est-ce que Christian est là, ma belle? Jean-François. Il doit y avoir une erreur. Ah, Jean-François. Oui? Tu me le passes? Oui. Tu dis que c'est de la part de Christian? C'est une poivrotte. Allô, salut. Oh, ouais, comment ça va, Jean-François? C'est qui? Merde. C'est Christian au téléphone. Christian? Ouais, dis-moi, je t'appelais parce que ma femme, elle m'a ramené des sextoys là aujourd'hui à la baraque. Et j'aurais bien aimé les essayer avec ta femme. Ah bon, mais t'as pas peau parce que c'est toute une collection. Là, bah, pas... Ouais, mais là, c'est des nouveaux trucs là, c'est high-tech. Hein. Allez. Ouais, j'ai un canard qui fait du bruit. T'entends? Bon, hey, je débarque dans 5 minutes avec canard, mon truc. Cédric. Allô? Ah. Ouais, je débarque à la baraque là, dans 5 minutes. C'est qui? C'est Nicolas? Bah non, chez toi. Non. Mais non, mais Christian, c'est qui là? Tu es qui? Tu es Nicolas. Bah c'est Christian. Christian, comment? Bah Christian. Du con.
Christian Jean-Pierre, tiens, le truc de foot là. Ah oui, bah tu vas te servir avec tes machins, hein. Eh, j'arrive dans 5 minutes, ouais, hein. Bolide, ouais, vas-y, j'attends, ouais. Bon, oui, oui. Attends-moi, j'arrive, hein, mon chéri. Ouais, eh, si tu veux, j'en ramènerai un deuxième pour toi. Ouais, puis t'en mets une douzaine aussi. Ah, t'es gourmand, toi, dis donc. Bah, va te faire miser, allez. Eh, je sens qu'on va passer une nuit de folie à faire l'amour. Ouais, quoi, il t'a dit. Va te faire quoi? Miser, miser, baiser. C'est quoi, miser? En gros, il t'a envoyé chier. Ah non, il a voulu une douzaine. T'imagines, toi. C'est un échec. Non, non, le mec, il m'a dit, viens, je t'attends. Je considère que c'est un échec. Non, et je pense qu'un Tim Romano pense la même chose. Le clash de la drague, comme son nom l'indique, c'est un clash de la drague, pas un clash de la vente de sextoy. Bah, c'est pas de la vente. L'autre, maintenant, il fait des conseils pas chers. Le mec est perdu. Oh, je pas les conseils, cachers. Non, j'ai jamais dit que j'allais les vendre. Pas aidé quand même. Bon, je ramène mes sextoys, on va les essayer. C'est pas de la vente. De toute façon, il en veut pas. Si, si, il a dit si. Quand on dit on va te faire miser, non, c'est pas bon. Mais tu sais pas ce que ça veut dire. C'est Christian. C'est pas toi, mec. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, va te faire enculer. Non, ça veut dire bien me baiser. C'est qui? Christian, c'est. Christian Jean-Pierre, peut-être. Non, mais t'es très drôle, cette blague. Vous êtes bien sur le répondeur. On est bien, ouais. Sur le répondeur de Christian. Wow. Il est sexy. Ouais, attends, je vais peut-être couper le numéro, quand même. Ouais. Après les bips sonores, une fois votre message enregistré... C'est qui, lui? Vous pouvez raconter... Toujours Christian? On va peut-être enlever le Christian, non? Eric. Allô? Ah. Allô? Oui, bonsoir, c'est Eric? Oui. Oui, bonsoir, comment vas-tu? C'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil, un copain de ta femme. Plutôt intime d'ailleurs. Ah bon? Oui. Elle est là ce soir ou pas? Oui, bien sûr. Oui, elle est là. Parce qu'en fait, je t'explique, aujourd'hui, je l'ai croisée en ville, j'ai trouvé qu'elle avait mauvaise mine. J'ai l'impression qu'elle a la température. Elle avait mauvaise haleine aussi. Eh ouais. Et donc, du coup, pour vérifier, je pense que je vais lui mettre ma bonne bite dans le cul. Non, ta thermobite, t'avais dit. Non, mais là, elle se craque. Et je vais venir dans 5 minutes, donc. Allô? Je ne t'entends plus, monsieur. Oui, c'est à la suite de la bite dans le cul. Je ne t'entends plus, monsieur. Allô? Comment? Christian? Non, c'est Eric. C'est Eric. Allô, Eric? Jean-Michel? Eric, bah parle. Eric, je te dis, il a bloqué quand je vais te mettre ma bite dans le cul. Non, mais ouais, je vais lui prendre la température, tout simplement. Je suis médecin habilité. Fallait sortir ton thermobite tout de suite avant la bite. Ah ouais. Putain, merde, j'ai peut-être été trop fort. Oui. Ouais. Du coup, je vais prendre un troisième je tour. Crois. Allez, on fait un troisième tour. Attends, c'est pas toi qui choisis, mec. Non, mais qu'est-ce que t'as fait là? T'as fait que de la merde. Ah ouais, putain, merde. Allô, t'as même pas d'invitation. Au moins, il y avait une invitation. Mais pourtant, je trouve ma méthode pas mal, mais j'ai pas les bonnes familles. Ah bah, la famille, elle a pas trouvé ça pas mal, tu vois. Le thermobite. On va chez qui? Non, mais t'as vu la voix qu'il avait. Didier. Oui, allô. Olivier. Oui, allô. Allô. Allô, Olivier. Allô. Oui, bonsoir. Est-ce qu'Olivier est là, s'il te plaît? Oui, c'est de la part de qui? C'est de la part de Nicolas. Quel Nicolas? Nicolas Sarkozy, tiens. Ah oui, d'accord. Tu me le passes? Oui, mais vous avez déjà téléphoné tout à l'heure. Ah, je sais pas, c'est pas moi. Problème là. Bon, je peux l'avoir ou pas? Magouille. Arnaque. Allô. Oui. Bon, tu me le passes, c'est pour lui ramener les godes, là, pour ce soir. Il y a de la magouille. Ah, bah pas besoin, on les a déjà pris. Ah, mais non, là, c'est des nouveaux, là, que ma femme m'a ramené. En fait, j'aurais bien aimé les essayer avec toi, ma chérie. Ah. Donc, je me suis dit, je vais quand même demander à Olivier par politesse, tu vois. Mais comme tu peux pas me le passer, je vais mais voir tu ça. Tu peux te les essayer toi-même, hein, ce sera mieux. Si tu veux, ce que je peux faire, c'est que je les ramène, tu les essayes sur moi. À la limite. Non, pas la peine, pas besoin. Bah, bon, chérie, ce que c'est je fais, c'est équipé. Que. Eh, je viens à la maison, puis on essaiera tout ça. Ah, bah, c'est sûr. Eh, c'est des trucs high-tech, hein, t'imagines même pas. Truc qui clignote, il fait du bruit. Tu vois, c'est génial. Ça, c'est mon connard. Attends, ça fait un bruit bizarre quand même. Hein. Connard. Ça, c'est moi. Allô? C'est moi. Allô? Bon. Ouais, chérie, bon, bah, je débarque dans 5 minutes et puis on va s'amuser un petit peu, toi et moi. Je sens que ce soir, t'es bonne éclate. Oui. T'es bon délire. Oh là, ça, c'est mon éléphant. Allô? Non, c'est un cheval. Oui? Oh bon. Bon, bah, je vais te faire l'amour, ma chérie, à tout à l'heure. Oh là. Allô. Et mon cheval. La réponse. Ouais. On commence à toi. Hein. Ah, un cheval. T'as dit quoi? T'as dit quoi, chérie? On commence sans toi déjà. Ah ben, chauffez-vous un petit peu, puis quand j'arrive, on passe directement à l'action. D'accord, ok, bon, commence. À tout de suite, mon amour, j'arrive, prépare tes petites fesses. Voilà. Très bien. Et voilà. Il y a un téléphone, Cédric, qui te donne un conseil. Ah. C'est conf, là, sur SMS. Ouais. Et qui nous dit, mais t'es trop con, Cédric, d'avoir dit Nicolas Sarkozy. Pourquoi t'as dit Nicolas Sarkozy? Ah, tu voulais dire Nicolas quoi?
Bah t'as dit un autre. Contre je sais pas, ouais, contre vous, la prochaine fois je dirai contre vous. Mais tu peux dire à Nicolas Bah je sais pas, j'ai Nicolas Bougnard par exemple. Ou Nicolas Ducon, ça tirait pas mal. Bah du coup je te le laisse. Ou du cul. Nicolas, je te laisse. Bah allez, vas-y, hop. Allez, donne des coups de fil pour Romano. Allez, Cédric. Non, c'est pas l'échec, à la fin gros, elle a dû en commencer à faire l'amour, on t'attend. Viens nous faire l'amour. À la fin gros, il y a quand même eu un serrage. Je suis désolé. Ça d'être mythomane. C'est pas parce que t'as été mauvais sur l'appel d'avant qu'il faut que tout le monde soit mauvais. Allô, ta gueule, ça serait pas l'option. Tu peux le mien, t'es allô. Oui. Bernard est là ? Non. Ah bah il est où ? Il est où Bernard ? C'est sympa la musique qu'elle écoute. Bah du coup s'il est pas là Bernard, je vais venir te voir ma petite chérie. Bon, bon bah je demande mon rappel. Vous avez parlé aussi. Mais vous avez. Mais toi aussi t'as parlé sur le mien. Ferme ta gueule, mais il parle pas, l'autre il beugle. Mais toi t'as parlé sur le mien, t'es Cédric. Romano te demande d'arrêter de beugler. Ah, l'autre il a parlé sur mon appel. Il a parlé dès le début et sur tout mon appel. Je comblais les blancs. Non. Attends, super. Allô. Allô Bernard. Voilà. Moi je m'en fous, je demande un quatrième tour. Non, il n'y a pas de quatrième tour. Ah vas-y, mais c'est quoi ces vieilles familles? Bah dis-le dans ta déclaration. Moi je n'ai pas eu de potable quoi. Heureusement que j'ai serré sur le premier coup de fil avec Cédric. Viens, on te fait un appel juste à toi. Moi la mienne elle était endormie, j'ai quand même réussi à faire un truc. Non mais moi je m'en fous, j'ai serré dès le premier coup de fil. Bah moi aussi. Vas-y Romano, fais la mesquine là. Fais dis oui, je suis désavantagé. Ah non mais de toute façon, il y a pas à faire. Je t'ai mis une musique. C'est pas à faire la mesquine. Ah c'est que t'as été mauvais. Moi c'est le mesquine. C'est qu'à un moment donné, tout le monde l'a entendu. Mes familles étaient d'un niveau largement inférieur à celle de Cédric. Bah, quand c'est les miennes. Ah bah pour ça, la team Romano, ce soir, on se déchaîne, on le baisse quand même. On vote team Romano. Romano. C'est noté. Bon, merci, l'autre, il arrête pas de serrer. Comment j'ai et n'oubliez pas, familles, sur l'appel de Cédric, j'ai serré en fait. Ah, mais tu as fermé ta gueule. Bah, non, mais c'est vrai, j'ai fait des bruitages. J'ai fait le vibreur. Bah, c'est pas toi qui as serré, c'est moi qui ai serré. Bon, moi, j'ai fait un serrage. Allez, votez Romano. Plus deux invitations et même, on pourrait dire que le dernier appel, il y a quand même un serrage. J'ai serré 10 fois. Eh, tu peux fermer ta gueule. Bah non, je peux pas, non. Écoute, moi, sur le dernier appel, la femme a dit on commence à faire l'amour sans temps, on se prépare. Donc, j'ai dit que j'arrivais et qu'on allait faire l'amour direct. Elle m'a dit pas de soucis. Pour moi, c'est ça un serrage. Ah bah c'est donc sûr. Votez Cédric, Romano lui n'a strictement rien fait. Si j'ai serré sur il est en train de chialer parce que les familles l'ont jeté en l'air. C'est non, pas je notre pleure faute. Pas encore. Mais votez Romano. C'est pas de notre faute, vous savez, c'est la vie, c'est comme ça. N'oublie pas que ta gothique est enceinte, Romano. Ouais, tu veux vraiment me faire chialer. Bon, mais votez Romano votez pour Cédric, me consoler. C'est EDRIC. Allez, top vote, c'est parti. Vous tous, on y vous va, 41759 skyrock.fm 01 53 40 30 20. Pour tout le reste, vous je nous me appelez. Je suis fait douiller. Et qui va gagner sur les appels? Non, t'as été mauvais, c'est tout. On va voir. Allez, top vote, on y va. Allez, votez Cédric, la famille. Bon. Sly Guy. Et là, j'ai donc les résultats du clash de la drague à vous donner. Alors. 54-46. Alors, énormément de messages encore ce soir. La machine est en panne, Cédric, on nous a dit. Non. Si, j'ai reçu de nombreux messages. Message de Arturo Le Zigoto. Bon, est-ce qu'à un moment donné. La machine est en panne. D'ailleurs, en parlant de machine, là, l'arbitre. Arthur, tiens, vous êtes tous donné le mot. C'est les Arthur et les Arturo. Regarde. Arthur qui. Ouais, dit, je viens de voir le message. Voté Romano, la machine est en marche. Il a mis une machine en marche. Non, la team le belge. Nous, on n'a pas de machine. La team le belge, alias la machine, c'est était en marche. C'est du travail artisanal. Salut Arturo, salut Arthur. Alors. Bon, la machine, un jour, tu comptes sévir ou. La machine de quoi? Mais c'est le nom de la team. Bah, l'autre con, là. L'autre con. Les résultats de ce soir donnent 54%. À mon avis, là, je me fais ken. Bah, tu mériterais de te faire ken, oui, c'est clair. Ouais, je vais pas. Parfois, la vie est injuste parce que Romano fait 54, Cédric 46. Ah, bah voilà. Eh bah, je t'ai bien baisé. La machine est en panne. C'est bon. La machine est en panne. Et ça, c'est bon. Et ça, je. Eh, Momo, tu sais compter ou. Non, mais franchement, tu sais, je voulais pas me la raconter. Mais je savais que j'allais te baiser. Bah c'est fait. Je te parle, mais pas dans le micro. Ah bah j'ai pas l'impression mon pote. Bah tu comptes très bien Momo. Bah, je te donne ton baccalauréat. Est-ce qu'il est tu l'as pas eu ton baccalauréat Momo. Non, mais je te le donne. Bravo Momo. Bravo Momo, félicitations. Victoire de Romano. Heureuse, con. Bon, remets la machine en marche Cédric. Ouais mais pourtant la team le belge a bien la machine. Il y a Toshi 54 qui a dit la machine du belge a été rachetée par la team Romano. Impossible, gars, t'inquiète pas. C'était la machine à vote de Cédric. Bon bah en tout cas, je vais quand même remercier. Tu vois qu'il n'y a pas de machine à vote. Non mais là il y a une galère sur leur bordel. Espèce de paranoïa. Je pense qu'on a paramétré notre truc pour virer les robots. Les robots. Si, il y a des robots. Et donc, toujours. Non, mais je n'invente pas des trucs. J'ai eu affaire à des professionnels qui m'ont parlé de robots. Ah, ok, ouais. De robots qui étaient capables de berner notre machine à nous. Toi, tu as cru, toi, en plus. Bon, en tout cas, merci à toute la team Romano. Nous, sans robots, sans rien, on l'a baisé. C'est ce qui compte. Merci à vous. Je vous aime. Rendez-vous mercredi pour une prochaine pinée. Merci. Très bien. Bon, bah, merci, ma team Lebel. Je vous aime très, très fort. Même si ce soir, on n'a pas gagné, alors qu'on méritait la victoire. Et largement, je vous aime quand même. Ouais, mais tu sais, je pense. Parce que la team Lebel, c'est une famille. Et ça. Même dans les moments de galère, on est ensemble.
Mais tiens, pourquoi tu perds des votes? Je t'expliquais. Ça, je te donne des conseils. Les conseils de Romanos, c'est les conseils. Les conseils très chers. Quoi, tu les vends? Non, mais tiens, conseil d'amis. C'est gratuit? Non, mais il faut arrêter. C'est gratuit? Ouais, c'est gratuit. Okay, il faut arrêter de mitonner sur les déclarations. Ouais, ça énerve les auditeurs. Non, mais bien sûr. Mais je mitonne pas. Mais bien sûr. Bah, tu vois, parce que regarde, nous. J'ai fait un serrage. Oui, mais on a tous écouté. Non, mais on sait très bien que t'as rien fait, que t'as fait de la merde. Si, il a fait un serrage. Non, mais il en a fait un, mais il a. Dans la déclaration, déjà, il y avait plus d'invitations et de serrages que de nombre d'appels. Ah non, j'ai mal compté. J'ai eu deux serrages, gros. Le premier et le dernier, la meuf à la fin, je dis, elle a dit, on commence à faire l'amour sans meuf, toi. Elle se foutait de ta gueule, tu te j'ai dit, j'arrive. Elle me dit, ouais. Non, mais tu peux le dire, maintenant c'est fini. Non, je foutais pas le mec. Tu vois, là, tu perds encore des votes pour le prochain. Ouais, oui, en avant ouais. Pas que t'as un gros mytho. Oh là là. Qu'est-ce que tu penses du message de Callaghan, Cédric? Ah, c'est un con, lui, de toute façon. Attends, mais j'ai pas lu. Ouais, mais Callaghan. Tu as trop le melon, Cédric. Tu es trop sûr de toi et tu te fais baiser. Mais non, baiser. Big up à toi, Callaghan. Give me five. Bon, on écoute Big Flo et Oli avec Gangsta dans un instant.